Parce que Robin il a lâché le moteur. Salut, c'est Mika, Thierry et Yann à bord de la Désirade. Eh non, il n'y a pas de problème dans l'énoncé. Aujourd'hui, Linda et Dan ne sont pas là. J'ai un équipage de fous furieux. Je suis quand même là. Je suis vraiment un grand chanceux parce que j'ai vraiment des gars sympas à bord. Et c'est des gars sérieux. J'ai jamais vu des marins aussi sérieux que ça. Alors ça y est, on est parti ce matin à 8h. Il fait jour, il fait beau, un petit peu de houle, on a un vent sympa, on tire une route au large pour rejoindre le nord-ouest des Pays-Bas. Et on est contrebordier avec Céline. C'est un équipage qu'on a rencontré au port aussi là-bas. Ils descendent aussi en France, on s'est rencontrés, puis ben, on fait route ensemble. Ah, c'est assez sympa. En route, la houle a eu raison de moi, j'ai été malade, c'est redoutable. Thierry il a réglé les voiles aux petits oignons et puis bah voilà, il y a le bateau avance tout seul, il a géré ça en finesse. Bon Thierry, ses sensations sur la Désirade, elles sont merveilleuses. C'est vrai, un super canotte. Ah bah super, merci. Vachement en sécurité. Une belle lumière, une belle mer, et voilà, c'est un bonheur. Alors aussi, en attendant l'équipage là qu'ils arrivent, j'ai eu du temps pour peaufiner l'aérien du Fletner.
Et là avec Thierry, il a réglé les voiles vraiment comme il faut. On a branché le Fletner et ça fonctionne. Donc là c'est vraiment super parce que c'est un atout vraiment génial quoi. Avec Thierry à la barre, on est un peu fatigué quand même, hein. La nuit a donné pas mal. Là on se retrouve au pré, appuyé par le moteur, on est à côté d'un grand champ éolien qu'on essaie de contourner. Il nous reste encore 70 000 à arriver et il est 9h10, donc on arrivera ce soir assez tard. Ce sera bien raisonnable et ça fera du bien de manger un morceau, de bien dormir, un peu le bateau parce que il y a quand même le bazar dedans. Il y a des choses qu'on volait qui ne devaient pas voler qu'on volait, donc on va arranger. Compliqué, donc là on coupe tout droit entre les éoliennes ici là. Là c'est encore une première ça. On fait le tour du champ éolien. C'est tout à l'heure on est passé au milieu, mais bon, tout en sécurité hein, par le chenal des bateaux de travail qui font des interventions sur les éoliennes. Bon, arrivé au bout, on s'est fait rappeler à l'ordre comme quoi il était interdit de faire ça. On n'en avait pas idée, enfin bon, vu comme c'était clair, on est passé. Donc pour info, c'est des zones de travail, il faut faire le tour. Ce qui prend beaucoup de temps du coup. Alors toujours en route. On avait le vent dans le nez, il a fallu qu'on change de plan. Là on est en train de traverser le premier rail après tous ces passages de parcs éoliens qu'on devait passer. Là il y a tout le rail, alors on voit tous les cargos partout là. Il y en a un, il est pile poil dans notre travers, il va passer juste derrière nous. Et l'autre juste devant nous là-bas. La mer s'est largement aplatie hein, par rapport à hier. C'est beaucoup plus sympa. Et on a une super belle journée. Alors le vent est tombé, hein, mais bon, autrement c'était soit ça,
soit on restait confort comme ça et puis on allait dans l'autre petit port, ou alors on retournait, on restait le vent dans le nez pour descendre dans l'autre port, et ça aurait mis beaucoup de temps et ça aurait été moins intéressant. Là c'est quand même très sympa au bout du compte. Ça y est, on rentre dans le chenal. On va s'arrêter ce soir. On a fait cette navigation pour rejoindre les Pays-Bas. Donc c'est pas exactement l'endroit où on voulait s'arrêter, mais bon, on pourra s'y reposer et puis trouver tout ce qu'il nous faut aussi. Donc c'est très bien. On repartira certainement demain après avoir analysé la météo. Et ça va, ça déroule bien, ça se passe bien. Ça va mieux aussi au niveau de la santé. Là, j'ai eu un coup de mal de mer, là, c'était vraiment pas pratique. Et là c'est extra. Donc là le chenal pour rentrer au port, ça fait c'est tout un chenal, hein, ça fait 8000. Donc ça fait à peu près 2 heures de navigation encore. Mais bon, là, on a fait déjà un bon bout, donc ça va arriver vite et puis on va pouvoir s'installer bien comme il faut et surtout bien dormir. Ce matin à l'escale, hier soir on a eu des dératés avec le moteur pour rejoindre la. Pour rejoindre le port. Et du coup ce matin, bah avec Thierry, on a démonté le filtre gasoil. Donc il est là. Voilà. Et du coup c'est tout seul. Donc je vais aller en chercher un. On va pas traîner, on va s'occuper de ça tout de suite. Et comme ça le moteur marchera beaucoup mieux et on sera pas embêté avec ça. Donc Thierry, super, merci. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? On lui a laissé la cuisine. Et là, il fait son art. Ça va Yann? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Eh ben voilà, une petite compotée là. Pommes bon, de ben terre, voilà. Poireaux, un peu tous légumes, poivrons et saucisses. Soit super. Saucisses danoises. Tout super. Va bien. Un repas léger pour les navigations? Tout à fait, okay. Léger. Manque plus que le pinard. Bon, bah allez, c'est parti. Ça y est, alors on est allé au Ship Chandler, on a trouvé ce qu'il nous fallait, on a pris un filtre neuf, ça va être beaucoup mieux. L'autre il était vraiment sale et puis c'était un truc à faire et c'est passé à l'as, donc bon bah tant mieux. Puis c'est vraiment agréable de faire un petit peu de mécanique comme ça, ça ajoute quelque chose à l'aventure, donc là on se sent vraiment bien. C'est reparti, là on a passé notre nuit ici, on a fait un petit peu de bricolage aussi, on a changé le filtre, donc ça s'est très bien passé, on a bien bossé. À côté de ça, ça a bossé aussi en cuisine pour préparer des préparations pour la navigation. Donc là, on est bon, là, on est pas mal. On part d'ici, on est encore aux Pays-Bas, on a 250 000 à peu près pour arriver à Calais. Ce serait vraiment extra d'une traite. Et comme ça, on arrivera à Calais, on se préparerait pour passer le Cap Grinet. Donc on espère, en tout cas la météo c'est du portant, ça tourne dans les 15-20 nœuds, ça, logiquement ça devrait être idyllique. Donc avec l'équipage là, ça devrait bien se passer. À plus tard. Oh ça y est, c'est parti. Là, on est enfin à la fin du chenal, après 3 heures de route. Là, maintenant c'est bon, on descend. Salut. Alors on est toujours en route. Là on part sur Cherbourg. On s'est arrêté dans un petit port pour faire le plein. C'est paisible, hein, c'est pas comme la première nuit. Mais bon, on se repose. Il y a du monde à la caille, du monde en train de bronzer. Ça se passe pas mal là-bas? Ça se passe pas mal. Donc voilà, on est... On est au moteur, on s'appuie des voiles. La mer est vraiment lisse. Le courant nous pousse, alors c'est assez plaisant. Dans l'autre sens, ça l'est moins, mais bon, c'est comme ça. On longe la côte des Pays-Bas pour le moment, pour passer après devant la Belgique et descendre en France. Donc si tout va bien, demain, dans 24 heures, 24, un peu plus, 30 heures, on pourrait y être, je pense. Ce serait bien. On verra ça. Thank you.
Ça y est, la nuit tombe, on passe devant Amsterdam, il y a des bateaux partout, il y a des champs éoliens partout, il y a des grues dans l'eau, il y a tout un tas de trucs à faire attention, des balises partout, donc on reste vigilant. Il y a une petite brume qui s'installe aussi. Donc on va faire la nuit, nos quarts, et on va rester vigilant. Il est 7h30 le matin, on est devant Rotterdam et cette nuit on a eu un orage sévère, vraiment impressionnant. On a été trempé des pieds à la tête, c'était quelque chose. Là ça va mieux, ça commence à sécher donc tout va bien. D'ailleurs Rotterdam, il y a plein de bateaux qui croisent. Faut vraiment rester vigilant, il y a du monde. Alors ça y est, on redémarre de Rotterdam. On a passé une excellente escale parce qu'on a visité un petit peu le bourg, on s'est baladé, on est allé au pub aussi, c'était vraiment sympa. Les gens ils ont l'air gentils comme tout. Et puis là, juste avant de partir, il y a une équipe de bateaux type SNSM, les secouristes en mer, qui nous ont demandé de faire un exercice sur le bateau, sur la Désirade, pour entraîner des nouvelles recrues. Et on a accepté, ouais, et puis ils ont été sympas, on leur a demandé un petit peu d'aide pour sortir de la place, donc ils ont accepté aussi. Et en plus, ils nous ont emmené à faire un tour en mer avec leur bateau. C'était vraiment excellent. Y a un côté rassurant de voir le matériel qu'ils ont. On se dit, ouais, les vitesses fulgurantes qu'ils peuvent atteindre, c'est vraiment incroyable. Bon, là, on est dans le chenal qui sort de Rotterdam. Alors bon, il y a quelques bateaux autour du genre là. Ça, c'est vraiment gros. Là, on est parti pour environ 90 000 jusqu'à Dunkerque. Et bon, le temps ne le permet pas pour continuer le voyage. Hein. Ça devient compliqué. Donc on va s'arrêter à Dunkerque et puis les gars vont me quitter là. Donc là c'est la dernière tirée du voyage. Mais c'est super, c'est extra. Merci à vous les gars, hein, Thierry et Yann. Super, merci les gars. Bon, en route vers Dunkerque. Il pleut beaucoup. Là, on en a encore pour la nuit. Demain, on sera arrivé. Ça va toujours, Thierry? Ça va. Alors, il pleut déjà beaucoup moins. On est toujours en route vers Dunkerque. On a encore 65 000 à faire et normalement le vent devrait arriver ce soir. Donc pour le moment on patiente, on a bien mangé. Yann il nous a fait un super plat, des spaghettis bien à lui et c'était vraiment très très bon. Donc là ça avance, déjà il pleut plus, le ciel s'ouvre. Donc ça pourrait être encore une belle nuit. Donc, on va voir ça.
Yann, ça marche? Super, super. Bon, on est à 6 nœuds. C'est bien, super. Fais-moi GV, un riz dans la GV. On va passer bientôt à 2 riz dans la GV pour la nuit avec un riz dans le génois. Pour avoir une nuit confortable et arriver tranquillement. Il reste 48 000. Super. Voilà, voilà, dernière soirée avec l'équipage à bord en navigation. Ça va bien, on a eu un super coucher de soleil, c'est royal. Et puis le temps est pas, ça va être humide et ça va être peinard. On va être bien. Je suis arrivé avec les gars à Dunkerque avec la Désirade. Je suis amarré ici pour le moment. Les gars sont partis en Bretagne. Le temps s'y prête pas à descendre encore. Je descendrai en début de semaine prochaine. Je pense que le temps va être mieux. Et en attendant, ben, je profite. Et il y a un beau bateau derrière moi là-bas. Alors je vous parle pas du trois mâts. Je vous parle du bateau jaune ici. Là, c'est le Penguin. C'est un bateau que j'avais rencontré, qu'on avait rencontré avec Linda et Eden quand on était du côté d'Oban en Écosse. Et bah, ça me fait plaisir de le voir ici à Dunkerque. C'est un joli canot et puis ça me ramène à pas mal de souvenirs avec les gens là. Donc bah, voilà, s'ils regardent la vidéo, je les salue. Et votre bateau, il est bien installé ici. Alors Dunkerque, c'est une jolie ville, ça fait un moment qu'on n'est pas retourné en France. J'ai jamais mis les pieds à Dunkerque et c'est une ville qui est vachement aérée, il y a des pistes cyclables partout, il y a des trottoirs partout pour les gens, on se bouscule pas. Et puis bah, il y a la plage, il y a le centre-ville. Quand on est arrivé ici, il y avait un festival à la plage. Là, on m'a dit que ce week-end, il y avait un autre festival en ville. Donc c'est vraiment extra, c'est vraiment animé et c'est une ville plaisante, vraiment, il y a des beaux monuments. Il y a des belles bâtisses et c'est vraiment chouette. Je suis sur les quais de la Citadelle, au centre de Dunkerque. Alors, le bateau là, c'est la Duchesse Anne.